Bonjour et bienvenue à la Fondation Lionel Groulx en mode virtuel. Je suis Myriam Darcy, directrice de la Fondation Lionel Groulx. Comme vous le savez, la Fondation œuvre au développement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Notre activité d'aujourd'hui s'inscrit dans la première édition du Festival d'histoire de Montréal qui se déroule à l'occasion de l'anniversaire de notre métropole Montréal. Je vous convie à un entretien entre l'historien Éric Bédard, qui est aussi vice-président de la Fondation, et de l'anthropologue Gilles Bibeau, sous le thème « Les Autochtones, les grands oubliés de l'histoire du Québec ». Je salue l'initiative des Musées d'histoire de Montréal qui ont organisé cet événement, et j'espère que ce sera évidemment le début de plusieurs éditions du Festival d'histoire de Montréal. Alors, bon entretien. Merci. Alors, bonjour, bienvenue au Festival d'histoire de Montréal, à cette activité... cet entretien organisé donc par la Fondation Lionel Groulx. Je m'appelle Éric Bédard, je suis historien, professeur à la TELUC et aussi vice-président de la Fondation Lionel Groulx, qui est donc à l'origine de cet entretien avec l'anthropologue Gilles Bibeau, qui vient de faire paraître Les Autochtones, la part effacée du Québec. Les Autochtones, la part effacée du Québec, c'est chez Mémoire d'Encrier. Et donc, dans ce travail, Gilles Bibeau examine justement la place ou l'absence de l'Autochtone dans notre grand récit collectif au Québec. Et il m'expliquait avant l'entretien que c'est le premier volume d'une série sur, dans le fond, la constitution, la construction de l'identité au Québec. Donc, Gilles Bibeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors, vous avez été, je l'ai rappelé très rapidement, vous avez été professeur donc à l'Université de Montréal, mais si j'ai bien compris, vous avez surtout étudié votre domaine de spécialité dans l'anthropologie. Ça a été plus, je crois, d'autres continents, l'Afrique. L'Afrique, l'Inde, oui. Et aussi les Autochtones, mais d'Amérique du Sud, voilà. Davantage. En fait... ce qui est au cœur, je dirais, de ma réflexion et de mes recherches a beaucoup à voir avec la construction des groupes humains, mm-hmm. qu'il s'agisse d'une tribu, d'une ethnie, d'un peuple, d'un pays. Je dirais qu'on peut avoir deux positions contradictoires. Une qui pense qu'il faut retourner vers l'arrière dans une fidélité à ce que les ancêtres ont été et poser aussi une série de fondateurs avec des racines, etc. Et l'autre position, qui est davantage anthropologique, c'est de dire au fond la pureté culturelle, la pureté biologique n'existe absolument pas, que tous les groupes sont construits à partir d'emprunts, à partir d'échanges avec leurs voisins, où on reconstruit, comme dans le cas d'un créole, par exemple, où deux langues se rencontrent et combinent des formes verbales d'une langue à une autre langue, etc. Mais c'est ce qui se passe sur le plan culturel. Alors, que fait-on de la différence? Ça, c'est un premier axe pour penser. L'autre, c'est la question du premier à avoir habité sur un territoire. Or, les humains, depuis notre seconde grande sortie d'Afrique en tant qu'Homo sapiens, c'est que nous avons occupé l'ensemble des terres et des mers aussi du monde. C'est un homo caminans qui avance génération après génération et qui en même temps va proclamer toujours un mythe, celui de l'autochtonité, c'est-à-dire je suis né de cette terre. Mes ancêtres y sont venus à une époque très très lointaine, mais en quelque sorte ce n'est pas la position de dire que le premier de la nation était un étranger et qui est venu, mais que vraiment la terre nous a fabriqués. Autochtones est dans ce sens-là. Mmh. Alors, nous sommes pris donc entre, je dirais, ces deux polarités. La polarité qui dit où j'emprunte aux voisins pour me construire et ensemble, donc nous faisons quelque chose,
Et l'autre, est-ce que nous sommes les premiers à être venus ici et que faisons-nous lorsque nous rencontrons l'autre, avec tous les problèmes que ça peut poser, lorsque nous sommes en face de sociétés, de groupes humains qui ont des systèmes de représentation de la nature, une autre conception de la propriété, une autre manière d'exprimer leurs émotions, etc. Comment cette grammaire commune va pouvoir se fonder? Alors, voilà mon intérêt central et ce qui m'a conduit à partir de mes travaux en Afrique, où j'ai fait mon doctorat, mais passé 13 ans de ma vie, ensuite en Inde, j'ai travaillé plutôt en Inde du Nord, particulièrement avec les sadhus, c'est-à-dire les renonçants, des groupes particuliers là, et comment maintenant toute la réflexion qui est née d'une manière comparative de tout ça est appliquée à la construction du Québec. Intéressant. Et donc, le titre de votre livre est en soi, je dirais, une prise de position. Les Autochtones, la part effacée du Québec, ça mérite une explication. Pourquoi, selon vous, est-ce la part effacée du Québec? Je pense qu'on pourrait facilement vous donner raison s'agissant, par exemple, d'une vieille historiographie, d'une historiographie traditionnelle de Garneau, François-Xavier Garneau à Lionel Groulx, mais par rapport à une historiographie beaucoup plus récente, on a l'impression que les Autochtones sont même au cœur des grandes interrogations historiographiques et des recherches, enfin des anthropologues à coup sûr. Donc, en quoi, selon vous, y a-t-il une part effacée? Expliquez-nous votre titre. Prise de position, oui, résultat d'une longue réflexion basée sur des études comparatives, m'amène à conclure qu'il y a eu effacement. Dans le cas de Lionel Groulx, non, je commence par Garneau. Garneau écrit dans un contexte très particulier. Donc, après son expérience de vie en Europe, où il a beaucoup fréquenté les exilés polonais, particulièrement Mickiewicz et d'autres, et aussi écouter tout ce qui se disait autour de Michelet, et qu'on est en pleine construction des histoires nationales, et qu'il est invité, plus ou moins, ou déjà commence à réfléchir, puisqu'il reviendra en 1832 ici, avec probablement le projet d'écrire quelque chose. Mais là, ça va être précipité par ce qu'on peut appeler les troubles. Pour le moment, ce serait à débattre les termes qu'il faut utiliser de 37-38. Et alors, Durham qui arrive. Et là, il se met véritablement au travail. Or, la figure qui se présente à lui comme étant en quelque sorte celle à partir de laquelle les descendants donc, de la Nouvelle-France, devenus donc, britanniques, véritablement, donc, par le traité de Paris, nous devons, nous, définir par rapport à eux. Et il doit se définir par rapport à eux. Si bien que l'Autochtone n'est pas absent de l'histoire du Canada de Lionel Groulx. Lorsqu'elle paraît en 1845, et ils ne sont pas là dans le discours préliminaire, sauf une phrase, mais dans le livre 1, ils vont apparaître, et il va nous présenter les différentes nations, mais déjà, il y a quelque chose qui avait été oublié de ce qui s'était passé à l'époque de la Nouvelle-France, et on va aboutir en quelque sorte à des caricatures du bon Indien, qui est l'allié des Français, donc qui ont participé aux compagnies de traite et qui ont fait alliance avec les Français, et le mauvais, donc Amérindien, qui va être l'ennemi, parce que allié des Hollandais d'abord, et ensuite allié donc à Albany, et allié des Anglais, est devenu ennemi, est devenu presque un barbare. On est là dans une présence de l'Autochtone, mais absolument pas d'une manière constructive. Il ne participe pas à la création
de ce qui deviendra un jour la nation. Et on pourrait le prendre, l'historiographie québécoise, je dirais, à toutes ces étapes, jusqu'à la Révolution tranquille, ou je dirais la Révolution tranquille, encore quelque chose au fer écrin, ce ne sera plus nécessairement la figure du Britannique, on va être pris par la question du fait qu'on n'arrive pas à réconcilier que nous sommes des colonisés tout en étant des anciens colonisateurs. Et cette dualité, cette hybridité, en quelque sorte, nous n'arrivons pas à la réconcilier. Comme à une autre époque, nous n'arrivions pas à réconcilier le fait que nous étions extrêmement proches des Amérindiens, mais en même temps que nous pouvions les considérer comme ennemis. C'est cet entre-deux qui pose un problème identitaire extrêmement important, et c'est ce à quoi j'ai essayé de me référer. Une chose. Je pourrais encore ajouter une chose, c'est que écrire un récit national au 19e siècle, au moment où les nations sont en plein développement sur le plan politique, l'écrire au moment de la Révolution tranquille et l'écrire aujourd'hui ou réfléchir à ce qu'est le récit national fait que le contexte nous force à aller dans une certaine direction. Notre époque est fondamentalement modelée par le post-colonial, c'est-à-dire égalité dans la participation de toutes les voix à la construction du récit, les voix qui ont été occultées, qui ont été effacées et qui doivent apparaître en quelque sorte et sans être caricaturées. C'est l'époque autour de nous qui nous force à cela. Et là, un des dangers, c'est de parler au nom de l'autre. Ici, il ne s'agit pas de parler au nom de l'autre. Je ne crois absolument pas que dans le contexte, appelons-le, de la pensée postcoloniale, il faille entreprendre le déboulonnage des héros que les dominants se sont donnés au cours de l'histoire. Non, ce qu'il faut faire, c'est ajouter, voilà. Non pas enlever en démolissant, mais compléter l'histoire. Et par exemple, à Gaspé, on peut très bien élever une croix qui va rappeler ce que Jacques Cartier a fait à son premier voyage, a planté cette croix. Mais pourquoi Donnacona ne pourrait pas être là? Lui qui a dit à Cartier, à quoi ça sert cette... Et Cartier dit, c'est une balise, c'est pour nous aider lorsqu'on reviendra et pour voir véritablement où il faut entrer avec nos bateaux. Et donc, c'est beaucoup plus en ajoutant à ce moment-là. Et effacement, ça va très très loin. Tous les toponymes, j'en parle vers la fin du livre, comment nous avons fait disparaître des toponymes à travers le Québec. Nous rebaptisons ici et là une rue ou un village, mais nous avons effacé énormément de choses parce qu'à un niveau fondamental, nous n'avons pas donné la place qu'il fallait à une figure identitaire qui était capitale au départ même. C'est pour ça qu'il faut retourner au commencement. Dans ce sens-là, Oui, tout à fait. Mais quand vous dites figure fondatrice, c'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que sans l'Autochtone, les Français et puis les Canadiens de la vallée du Saint-Laurent n'auraient pu s'implanter, prendre racine, apprivoiser le territoire. Je pense que c'est une évidence. En effet, vous avez absolument raison. Mais fondatrice, si votre perspective est de dire ils sont les fondateurs au fond du Québec, ils sont en tout cas parmi les fondateurs du Québec. La question qu'on pourrait vous poser, c'est oui, mais eux, d'une certaine façon, nous, on peut se les approprier en disant nous, ils sont nos fondateurs. Mais est-ce que un Innu, est-ce qu'un Atikamekw, est-ce qu'un Etchemin, avec toute sa culture, son passé, ses traditions, son histoire, est-ce que eux, au 16e siècle, 17e siècle, avaient le sentiment de fonder quelque chose de nouveau?
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du point de vue québécois d'aujourd'hui, on peut télescoper nos aspirations, mais est-ce qu'eux, ils seraient d'accord pour être présentés comme des figures fondatrices? Je pourrais, appliquer cette question aux colons français lorsqu'ils s'engagent, lorsque mon ancêtre s'engage à La Rochelle, il signe son contrat pour 3 ans pour venir ici. Est-ce qu'il a le sentiment qu'il est en train de fonder quelque chose? Non, il venait pour une compagnie et elle avait des affaires ici, c'était ça. Mais alors, regardons ça d'une façon, je dirais, substantielle, assez fondamentale. Au début du XVIIe, les années 60, et même on peut dire que lorsque Cartier vient, 75 ans avant Champlain, il y a un territoire qui est très vaste, qui est occupé depuis très longtemps. Mm-hmm. Nous savons, par exemple, maintenant, l'archéologie nous l'a montré, que aussitôt que les glaciers, la dernière glaciation, autour de 15 000 ans, petit à petit fondent et que commencent à émerger des terres, il y a 12 000 ans, du côté de Mégantic, au lac aux Araignées, nous avons les premiers autochtones qui sont là. Et ils vont petit à petit donc habiter un territoire et se spécialiser à l'intérieur de ce territoire avec nomadisme et de la chasse. Et ce territoire qui aujourd'hui est couvert par le Québec donc était bel et bien habité depuis des millénaires par différents groupes humains. Ils ne lui donnaient absolument pas donc le nom de Québec, tout comme, je dirais, toute la Nouvelle-France n'a jamais appelé Québec. Mm-hmm. Québec, selon quoi la langue Innu apparaît à Québec lorsque des Innu disent « Képak » à Champlain. Et qu'on a essayé de trouver dans les langues algonquiennes l'équivalent, là où ça se rétrécit, etc. Donc, il est bien sûr que les descendants, des millénaires plus tard, une fois que se sont constitués des groupes, il a fallu du temps parce que ces populations sur des millénaires se transforment et deviennent véritablement, à la période du contact particulièrement, et nous allons accélérer le mouvement qui va conduire à la formation de ce qui deviendront les nations autochtones. Ça n'a rien de spécifique au Québec, ça s'est fait comme ça dans toutes les sociétés du monde. Dans l'Ubangi, donc au nord du Congo-Kinshasa, là où j'ai travaillé, nous voyons sur 4000 ans comment se sont formés des groupes, des ethnies en quelque sorte, et qui à un moment donné se revendiquent comme différentes du voisin. Il fait ses maisons carrées, je vais les faire rondes, il croit à un dieu, je vais croire à plusieurs esprits, etc. Donc les humains se constituent en marquant toujours leurs différences par rapport aux voisins. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut, même si le colon n'était pas un Québécois, il reste une figure fondatrice fondamentale et il avait en face de lui un autre qui va se définir et se construire dans l'espace qui va être délimité parce que ce qui deviendra le Québec, oublions pas qu'au traité de Paris et à la proclamation royale, il y a les territoires amérindiens très bien définis pour barrer en quelque sorte le débordement des colonies américaines vers l'ouest et en même temps pour leur donner des droits où ils pourraient retraiter. Donc, dans un certain sens, elle participe à la figure, comme figure fondatrice de ce que va devenir le Québec. Mm-hmm. Cependant,
sur le plan identitaire personnel, quelqu'un, et je cite cette phrase à la conclusion, qui est de Ghislain Picard, M. Picard, qui dit « Je ne suis, qu'on se le dise, je ne suis ni Canadien, ni Québécois, je suis Innu. » Et c'était comme nation aujourd'hui, mais qui vivent à l'intérieur de cet espace qui est commun. Alors voilà comment est-ce qu'on peut peut-être les poser comme figure. Parce qu'ils vont participer de la construction identitaire d'une manière fondamentale. Et on y reviendra tout de suite. Justement, la part effacée, donc vous dites, ils ne sont pas présents dans notre imaginaire, je dis nous, disons, Québécois, francophones, oui. Ils ne sont pas vraiment présents dans notre imaginaire, on déconsidère ou on ignore leur contribution fondamentale à la construction d'une société, et ils sont en plus présents, ils sont absents, effacés de nos livres d'histoire. Oui. Mais, et vous le soulevez le problème en est un aussi de source. Bien sûr. De source, et donc la difficulté pour nous, disons Québécois de bonne foi, qui voulons remonter l'histoire de ce territoire habité, comme vous l'avez bien dit, avant l'arrivée des Français, on fait tout de suite face, on bute sur un problème de source. Et donc, vous-même, d'ailleurs, vous passez de longues pages à nous parler de quartier, vous ne vous appuyez que sur les relations de quartier, vous passez de longues pages même à nous parler de la tabagie de Tadoussac, or il y a un seul témoignage qui est celui de Champlain. Oui. Pourtant, on considère que c'est un événement extrêmement important aujourd'hui. Oui. Alors, comment surmonter ce problème des sources? Comment le surmonter pour, justement, intégrer davantage l'histoire, la parole autochtone, l'histoire des Autochtones à notre grand récit national? Bon, c'est pas facile. Cette question de l'archive, des documents... nous oblige à regarder un petit peu ce qui est fait ailleurs. Je dis que mon travail se situe à la conjonction, je dirais, de trois grands mouvements d'idées qui sont en train de reconfigurer la réflexion des historiens, des anthropologues, etc. Et la première de... premier ces mouvements, c'est toute cette histoire à part égale. Quand Sanjay Subramanian écrit son livre sur Vasco de Gama, il dit « Oui, je me base sur les sources portugaises, qui ont fait un héros de Vasco de Gama. » Mais aussi, et qu'est-ce que, et pas seulement sur le pont de ces bateaux, mais qu'est-ce que les Indiens, donc de Cochine, en ont pensé, c'est arrivé. Et là, il y a des sources écrites et il y a des sources orales de ce côté-là. Lorsque un historien français, donc Romain Roland, qui travaille à Java, examine ce qui s'est passé en Indonésie avec l'arrivée des Hollandais, c'est la même chose. Ici, nous avons, mais c'est, il y a une tendance, mais je dois dire que cette nouvelle littérature sur l'histoire à part égale, produite par des historiens, véritablement, mais qui écoute l'entièreté, ou en tout cas quelques-unes des voix qui étaient autrefois effacées et qui les réintroduisent dans le récit, dans notre camp en Amérique du Nord, ça donnait tout le mouvement de l'ethno-histoire. L'ethno-histoire, c'est dans le prolongement, je dirais, de l'histoire des annales qui avait réintroduit les sciences sociales d'une façon très importante. Bon, on va la réintroduire par le biais plus de l'anthropologie. On a des gens comme ce que Delage a fait, ce que Alain Beaulieu fait, ce que Sylvie Vincent d'une façon très 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 importante. D'ailleurs dédié livre à Sylvie qui devait faire la préface et qui est donc décédée lors de la première vague de la Covid. Donc il y a là
on est en face de gens qui se basent sur la parole autochtone, qui répercutent la parole autochtone, et il y a tout le mouvement, plus de l'ethno-histoire, il y a tout le mouvement de l'auto-histoire. Il faut se mettre à l'écoute. J'ai donné une place très importante aux écrivains et aux écrivaines particulièrement issues du monde Innu, Huron-Wendat, des nations donc autochtones du Québec, qui aujourd'hui reprennent d'une certaine façon donc, ce qui a été dit, les Atanoukanes, tous les récits, les mythes. Donc, l'histoire orale. L'histoire orale qui avait été racontée à mes collègues, à mes amis, comme Serge Bouchard, à Rémi Savard, à d'autres, à Paul Charest, à Québec, tous ces gens qui ont recueilli la parole autochtone. Mais aujourd'hui, ils parlent en nom propre, ces autochtones, à travers une littérature de plus en plus importante. Alors... C'est ça que je fais écho dans le livre. Ah, c'est sûr que c'est ce que j'ai pas dit pour ceux qui sont moins familiers, qui nous suivent chez eux, c'est qu'évidemment, je précise que les Autochtones donc n'avaient pas l'écriture au moment de l'arrivée des Français. Donc ils n'avaient pas d'écriture et donc forcément pour les historiens d'aujourd'hui ou les anthropologues. Il est compliqué de comprendre comment, à l'époque, donc là on est dans les sources orales, c'est-à-dire c'est une transmission, mais la source orale est évidemment, peut être un piège. Vous voyez, quand à Kinshasa, à l'Université Lovanium, je fais une formation sur les langues et les cultures africaines, j'ai eu comme professeur Yann Van Sina, qui venait terminer son ouvrage sur la tradition orale. Et il nous a bien montré, j'ai beaucoup utilisé les principes qu'il avait mis de l'avant dans mes propres travaux, dans l'Ubangi, donc les peuples africains, l'idée qu'il y a un régime de vérité qui est autre, au sens où, dans la plupart des sociétés non occidentales, on ne peut pas généraliser, mais dans un grand nombre de ces sociétés, il y a peu d'intérêt pour le détail de ce qui s'est passé, la date, qui était là, etc. On peut oublier ça. Par contre, on n'oubliera pas le sens de l'événement et la portée de transformation potentielle de cet événement sur le groupe. Et la tradition orale, ce dont elle se souvient, c'est cela. Alors, on ne peut pas... C'est ce qui a fait sens pour le groupe. Ce qui a fait sens pour le groupe. Et aussi la valeur morale attachée à l'événement... et on ne peut pas disqualifier la tradition orale et l'accuser de non-fiabilité, de non-validité, sous prétexte qu'elle ferait des erreurs dans la description détaillée des événements. Et il faut que l'histoire soit capable maintenant, véritablement, de faire une place à côté. Tout comme j'ai dit, il ne faut pas... enlever, mais il faut plutôt ajouter. Il faut, dans ce travail qui est fait sur les archives écrites, sur tous ces documents, et c'est pour ça, je n'essaie pas de disqualifier les récits qui nous sont laissés, que nous a laissés Cartier, s'il nous en a laissés. Il faut voir qui écrivait exactement donc, au cours de ces trois voyages, mais nous avons quand même des textes. Nous en avons beaucoup plus pour Champlain et nous en avons pour toute une série d'auteurs. Vous parlez d'ailleurs de Marie de l'Incarnation comme d'un monument littéraire. Vous avez beaucoup d'estime pour les lettres et les textes. Elle nous a laissé peut-être 14 000 lettres. Ouais. C'est absolument extraordinaire tout ce qu'il y a là. Et c'est ça, il ne faut pas s'en priver. Mais il faut ajouter. C'est ça. Et il faut donc que les historiens soient capables de se tourner maintenant vers tous les travaux qui ont été faits. Et je l'ai bien dit, il y a beaucoup d'ethno-historiens qui le font. Et dans le courant de l'auto-histoire, représenté entre autres par Georges Sioui, et prolongé aujourd'hui, l'avantage... Ce courant peut être radical de l'auto-histoire, au sens où, lorsque, par exemple, Georges Sioui, dans son livre « Pour une auto-histoire amérindienne », va parler du rapport au mythe, l'idée qu'on est
sur l'île de la Tortue, qu'on est un mythe absolument magnifique, d'ailleurs que le père Brebeuf avait lui-même recueilli, puis qu'on va retrouver à beaucoup d'endroits, qui est un mythe tout à fait extraordinaire, qu'il y aurait quelque chose dans le mythe qui reproduirait d'une certaine façon la grande histoire de migration depuis la Sibérie, la traversée par le détroit de Béring, etc. On pourrait le retrouver si on le lisait convenablement. Il fait aussi beaucoup de critiques. Par exemple, il dit que peut-être l'archéologie a trop voulu, à travers ses références à des styles particuliers de poterie, marquer des différences, alors qu'il y a une continuité donc identitaire, mais en transformation, mais avec donc un développement et tout ça. Donc il faut que les historiens puissent se tourner vers cela sans lever le nez, je dirais, sur des sources qui n'auraient pas la force du document écrit que l'on trouve. De toute façon, le document écrit lui-même a ses blancs et il a ses vides. Tout à fait. Mais là, je mets tout de suite une petite objection. C'est que, imaginons que le danger de l'instrumentalisation, donc de cette mémoire orale ou de tout ce discours sur l'appropriation. Alors, je vous donne un exemple concret, c'est-à-dire que on a au Québec des historiens de métier ou des anthropologues de métier qui jugent entre eux, entre pairs, de la validité ou non d'une preuve, d'une démonstration. Oui. Et une fois que nous, on s'entend, ça peut être ensuite instrumentalisé ou récupéré par des politiciens, par des militants. Oui. Et eux, ils en font ce qu'ils en veulent. Ils en veulent, c'est la société. Mais là, dans le cas des Autochtones, imaginons qu'on est uniquement dans un registre d'histoire orale, avec un régime de vérité qui n'est pas celui des Blancs ou des Occidentaux. Mais comment distinguer une parole, disons, un peu plus savante et informée de ce que vous venez de mentionner, les mythes, les traditions, versus un militant qui s'avance dans l'espace public et dit « moi, je sais puisque je suis porteur d'une mémoire ». Autrement dit, vous savez, il y a l'historien québécois et, par exemple, il y a les gens de la Société Saint-Jean-Baptiste. Les deux peuvent invoquer l'histoire, mais à des motifs différents. Ah là là, mais le militantisme et l'idéologie s'infiltrent un petit peu partout. Mmh. Et on peut peut-être identifier des gens qui mettent l'histoire au service d'une cause contemporaine, donc relisent, font une relecture du passé pour servir et cette cause et lui trouver une fondation. Je dirais très peu, même les scientifiques les plus rigoureux en sciences sociales, ça me rappelle tout ce débat avec Claude Lévi-Strauss sur la scientificité des sciences humaines. Nous sommes tellement partis de ce que nous étudions que nous y projetons certaines de nos visions. Nous-mêmes. Cependant, ceci étant dit, il y a une caractéristique, et Jan van Sina avait beaucoup insisté là-dessus, donc cet anthropologue qui a écrit ce magnifique livre sur la tradition orale et qui lui-même avait recueilli beaucoup de traditions orales, je l'ai fait aussi en Afrique centrale, qui dit qu'il y a une tendance, lorsqu'on remonte dans le passé, à partir de la situation contemporaine pour voir les restes dans la situation contemporaine de ce qui s'est passé autrefois. Et qu'on identifie souvent des événements et qu'on élimine les autres. Cela, il faut en être conscient. Oh oui. Et la critique des sources écrites se fait, et il faut faire une critique des sources orales également. Mm-hmm. C'est à cela. Alors, les historiens, s'ils commencent à se pencher sur la tradition orale et qu'ils l'approchent avec sérieux, vont faire une critique des sources orales. Il faut la faire. Alors maintenant, un autre aspect qui peut être un peu controversé de votre livre, dans la mémoire commune des Québécois francophones, pour peu qui s'intéressent un peu à l'histoire ou aux origines, on a le sentiment au Québec qu'on a un peu mieux traité les Autochtones, qu'on a eu des rapports, je parle vraiment du début, là, je ne parle pas du 19e siècle, je parle vraiment de la Nouvelle-France. Donc, du 17e siècle et des débuts,
que nos rapports avec les Autochtones, en tout cas ceux de la vallée du Saint-Laurent, ont été plus chaleureux, plus cordiaux, plus égalitaires même, que si on se compare aux Anglais et surtout aux Espagnols. Et vous vous dites, attention, c'est un mythe, on n'est pas nécessairement mieux que les autres. Et là, il y a cette fameuse phrase de Francis Parkman, historien américain, fin du 19e siècle, qui disait ça un peu, qui disait les Anglais les ont un peu ignorés, les Espagnols les ont plus ou moins massacrés, et nous, on a été leurs amis. En tout cas, les Français ont été leurs amis. Alors vous vous dites, c'est un peu un mythe, mais il me semble que l'histoire tente à donner un peu raison à cette idée qui est très répandue au Québec. Alors pourquoi est-ce un mythe selon vous? Ah là! Je ne vous ai pas fait venir pour vous poser des questions faciles, vous voyez. Non, mais c'est des questions qu'il faut absolument se poser, et il n'y a pas de réponse facile. Maintenant, pour ce qui touche aux Espagnols, si l'on croit Las Casas, à Barthélemy de Las Casas, mm-hmm. qui va... son père avait été du deuxième voyage de Colomb, et il avait vécu dans les Antilles. Ensuite, on va le trouver comme évêque au Chiapas. Il a suivi toute la colonisation, et l'on sait que ça a été tragique. Oui. De ce point de vue-là, probablement Francis Parkman a raison, et ça va créer la légende noire et tout ça. Du côté des Anglais, il dit qu'ils ne les ont pas respectés, ils ont méprisé. Si nous regardons ce qui s'est passé à partir des sous le régime britannique au Québec, et qui va aboutir à la loi sur les Indiens, avec le parquage, avec tout ce qui se passe, c'est un peu vrai. Maintenant, que s'était-il passé pour que les Français embrassent et aiment les Autochtones? D'abord, il faut dire au point de départ que la Nouvelle-France était au départ une entreprise commerciale. En tout cas, certainement jusqu'à 1664, où ça rentre sous la guidance de la royauté. Et là, ça va changer un tout petit peu. Et que toute entreprise, et ça va devenir une colonie. Et c'est une colonie, et comme toutes les colonies, le rapport entre le colonisateur et le colonisé est violent. Et toujours violent. Je pense que ce que Frantz Fanon a fait dans Les Données de la Terre nous le montre très bien. La rencontre inégalitaire entre le colonisateur et le colonisé fait ressortir chez le colonisé, donc, fait pas ressortir, mais on voit chez le colonisé la part obscure de l'humain. Et le colonisé regardant le colonisateur aussi, donc, le voit comme un vilain. Donc, cette rencontre inégalitaire produit en quelque sorte du tragique. Maintenant, lorsque nous regardons la Nouvelle-France sur le plan démographique, il faut se poser la question. Il faut se poser la question, s'il y avait autour de 100 000 Amérindiens au temps de Champlain sur le territoire de ce qui deviendra le Québec, déjà chez les Hurons, Champlain, en 1715, dit qu'ils sont environ 30 000. Brûlé nous l'a dit aussi. Et que nous ajoutons ceux qui sont davantage des agriculteurs ou semi-agriculteurs et tous les groupes chasseurs, mes collègues qui font de la démographie historique tendent à penser qu'il y aurait pu y avoir autour de 100 000 personnes. Or, nous avons évoqué Marie de l'Incarnation, qui était, si nous voulons savoir... qu'est-ce qui se passe au niveau politique, au niveau religieux, à tous les niveaux, et il faut lire ses lettres. Dans une de ses lettres qu'elle envoyait à la supérieure de Tours, c'est une tourangère, en 1664, elle dit explicitement, des 20 qu'ils étaient, il n'en reste plus qu'un. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a eu une telle décroissance démographique? Les causes sont très nombreuses et s'interpénètrent et se dynamisent les unes les autres. Il est certain que
Le réseau commercial des fourrures va amener des transformations sociales très importantes dans les populations autochtones de chasseurs nomades qui approvisionnent les points de traite. Incontestablement, cela amène une transformation. Ça peut aller très très loin. Je donne un petit exemple qui est là, latino-américain. Les Taïnos à Hispaniola, à son deuxième voyage, déjà Cartier dit qu'ils ne sont plus sur les côtes. Ils étaient montés dans les montagnes au milieu de l'île et il y avait un tel niveau de découragement que plusieurs se sont laissés aller à la mort. Vous parlez de Champlain plutôt, hein? Non, je parle de Colomb. Ah, Colomb. De oui, Colomb, oui. Parce Colomb et Taïnos. Je crois aussi que Champlain, dans son bref récit, quand il va en Amérique du Sud, dit exactement ça. Ah, il signale que les Autochtones fuyaient l'arrivée des Blancs. Ouais. Tout à fait, oui, et je réhabilite et j'affirme qu'il est bien l'auteur Champlain de son ce bref récit, discours. Et j'en suis. Ouais. C'est un très, très beau texte. Ouais. Donc, il y a tellement d'autres causes. Est-ce qu'on a amplifié les guerres intertribales en faisant en sorte que chaque groupe avait ses alliés, incontestablement? Je crois que les travaux de Roland Viau sont très éclairants là-dessus. Le problème des pathologies, donc des épidémies extrêmement nombreuses, particulièrement après 1630, on les connaît. Il y a toute une série de causes, mais la violence avec laquelle donc s'est exprimée cette présence de l'étranger qui petit à petit veut s'accaparer le territoire, il vient avec ce projet, donc va amener des transformations qui vont induire des conséquences graves sur la décroissance démographique. Quelque part dans le livre, je dis, pourquoi est-ce qu'il faut retourner au commencement? Il faut retourner au commencement parce que si, au sujet du commencement, nous nous comptons des mensonges, nous allons payer à un moment donné ces mensonges. Si nous essayons de dire ce qui a pu se passer et de mettre en évidence la violence qui s'est faite, maintenant, il n'y a pas eu que de la violence. Il y a de la violence, en tout cas, les Français, il y en a eu contre les Iroquois, qui étaient les ennemis de nos alliés. Mais qu'on avait... Voilà. Ça s'était créé, c'était, c'était des colonies, pas des colonies encore, c'était des espaces de commerce. Oui, c'est ça. On était intéressés par la fourrure et tout ça. Mais il faut bien signaler quand même, sur un plan positif, c'est que lorsque les Français arrivent, et ça va durer très longtemps, ils sont bien accueillis. Ils sont bien accueillis. C'est quand ils s'infiltrent, on commence à découvrir qu'ils sont là pour rester, parce qu'on leur a envoyé des messages, venez, faisons le commerce et tout ça, et que les Autochtones ne se laissent pas rouler. Ils ne se laissent pas rouler dans la question, j'attache beaucoup d'importance à la transaction, les transactions commerciales, les équivalences. Qu'est-ce qu'un chaudron de fer, ça vaut combien de peaux de castor, et ainsi de suite. Donc, il y a eu collaboration. Et au-delà de cela, aux limites, à travers les truchements, à travers les coureurs de bois, qui étaient véritablement aux limites même de l'œcumène, de l'espace habité, il y a eu le métissage biologique qui venait compléter un métissage culturel qui s'est fait, des transferts, des échanges. Personnellement, comme anthropologue, pour moi, les sociétés ne sont que des échanges. C'est des échanges restreints ensuite qu'on généralise dans toute une série de domaines, dans l'affrontement entre des visions du monde. Prenons la question diplomatique. De quelle manière est-ce que les alliances, vous avez évoqué Anada Bijou et le récit de Champlain à la grande tabagie de Tadoussac de 1603,
Donc, il y a trois groupes qui sont en train de fêter un raid guerrier contre les Iroquois. Et là, il y a toute une fête, etc., des danses et tout ça. Champlain va dire que quand il est invité au banquet et qu'il y aurait eu comme une alliance qui était conclue, on ne sait pas, on peut débattre avec qui, est-ce qu'il a fait alliance seulement avec qui, avec les Innus, est-ce qu'il a fait alliance aussi avec les deux autres groupes, on peut discuter de tout ça. Mais là, on commence à comprendre simplement que leur stratégie de négociation diplomatique est différente. On est en 1603, on va en apprendre de plus en plus, on va apprendre ce qu'est le wampum, on va apprendre toute une série de choses. Ce que White, dans son étude sur les négociations entre les Algonquins, les peuples algonquiens et les Français, a bien montré, développé le middle ground, c'est-à-dire que les Français n'imposent pas toute leur stratégie diplomatique à l'autre, et l'autre n'impose pas toutes ses stratégies diplomatiques, et pourtant, on va établir des alliances, pas des traités. Parce que les Français n'ont pas signé de traité. Ce n'était pas leur affaire, les traités. Ils avaient des alliés et ils avaient des ennemis, en quelque sorte. C'est comme ça que ça se dessinait, de ce point de vue-là. Donc, pour revenir à Garneau, qui a voulu peindre les choses, il n'a retenu que cette dualité-là, mais elle était bel et bien existante, absolument. Maintenant, vous écrivez quelque chose qui m'a un peu surpris, mais je comprends que vous avez été inspiré par tous vos travaux en Afrique, notamment sur la constitution des ethnies en Afrique, souvent sous la loupe du colonisateur. Et vous dites, au fond, là, les Autochtones ont beaucoup plus en commun qu'on le croit ou qu'on le dit. Et toutes ces subdivisions à l'intérieur des Autochtones, Iroquois, Benaki, tout ça, c'est peut-être un petit peu artificiel, c'est peut-être une création des Blancs qui sont débarqués. Ça m'a un peu frappé, ça m'a un peu surpris. Je vous demanderai de développer, puisque vous êtes vous-même, je crois, un apôtre de la diversité. Alors, les Autochtones, je pense qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, vous direz, ben non, on n'est pas tous pareils. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là que ça a été finalement quelque chose d'un petit peu créé artificiellement? Écoutez, M. Bédard, est-ce qu'un Français de la Charente-Maritime qui arrive en 1654 est un Québécois? Non, certainement pas. Mais il est un Français. Il n'était même pas un Français. Au milieu du 17e siècle? L'intégration, oui, l'intégration est en train de se faire. N'oublions pas la chose suivante, la Révolution française, 1789, lorsque les révolutionnaires, en 91, demandent de faire l'étude, on veut créer l'école républicaine, standardiser complètement le français, on veut créer l'école républicaine, et qu'on envoie un chercheur, un abbé solide, il dit qu'on parle quand même 73 Patois, etc. L'abbé Grégoire. Et les langues, l'abbé Grégoire. Donc, le Doc et Hoy, etc. Et tout. Donc, l'intégration nationale se fait au 19e siècle en France. Bon. Ça, c'est quand même contesté. Je me permets de vous dire que c'est contesté. Certains disent qu'Henri IV... La langue française, la langue française va s'unifier dans la vallée du Saint-Laurent. Plus rapidement. Absolument. En France. On est d'accord là-dessus. Là, on est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Laissons de côté donc la France. Nos amis français. Laissons aux Français. Oui. Alors. Création des ethnies, c'est-à-dire, vous dites finalement, ces groupes n'existaient peut-être pas autant qu'on le dit. Oui. Bon, il y a deux grands ensembles linguistiques. Mm-hmm. Un ensemble algonquien, un ensemble iroquoien. Les Iroquois, fondamentalement, c'est Mohawk ici et les Hurons. Ils appartiennent à une grande famille linguistique, une famille de langues, tandis que 8 autres groupes qui vont devenir des nations ne sont pas différenciés à l'origine. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est l'ABC. Mais ce sont les Autochtones eux-mêmes qui se sont distingués, ou ce sont les Français? Les Iroquois de la vallée du Saint-Laurent. Que Cartier va rencontrer
Donc, ils avaient d'abord rencontré avec Donnacona et son groupe à Gaspé. Oui. À son deuxième voyage, il est amené à Stadacone, il remonte vers Montréal, il rencontre toute une série de gens. Des villages qui sont constitués, on les appelle Iroquoiens, on n'a pas de nom. Les ethnonymes, c'est une chose qui est extrêmement complexe à donner. On peut créer, en quelque sorte. Ces groupes, on ne sait pas, est-ce que, lorsqu'ils quittent la vallée du Saint-Laurent, où s'en vont-ils? Est-ce que c'est vrai, comme certains disent, entre autres, je sais, oui, va le dire, mais il n'est pas le seul, qu'ils étaient allés du côté des Hurons, se seraient intégrés là. Les groupes échangent. Les groupes, comme d'ailleurs dans les guerres, les captifs qui viennent, les groupes s'unissent d'une certaine façon, d'une manière positive et même par des actions presque négatives. Et petit à petit, avec la sédentarisation, donc où on va stabiliser des groupes qui étaient sur de grands territoires et qui se déplaçaient, et ils vont constituer des groupes multifamiliaux, des sous-groupes. Les groupes Innus, il y avait au moins une dizaine de sous-groupes à l'intérieur de cela. Donc, les archéologues comme Daniel Chevrier, qui a beaucoup travaillé sur la côte, bon, les Béotucs, qui est un Terre-Neuve sur le Labrador, les Naskapi, etc., c'est des regroupements qui vont se faire. Ça, c'est l'histoire de formation de tous les groupes humains, avant de devenir des nations. Avant de devenir des nations. Et c'est une pluralité qui va ensemble. C'est peut-être ce qu'on peut appeler le régionalisme. La création des quelque chose de commun implique de plus en plus de communication à plusieurs points de vue, qui amène une unification donc, d'éléments culturels, des systèmes symboliques, de la langue, etc. Ça, je crois que c'est fondamental de penser que les nations telles qu'elles existent, les 10 nations, donc telles qu'elles existent aujourd'hui, autochtones, étaient là. Ils étaient dans leurs ancêtres, étaient là. Et nous, par nos systèmes d'alliances, nous allons accélérer peut-être donc la formation d'identité nationale autochtone. Ça, d'accord. Je pense que... Vous pensez que, c'est autrement dit, cet engrenage des alliances va peut-être un peu artificiellement polariser quoi, les groupes? Il les polarise et il leur permet, parce qu'on a deux façons de faire. Là, c'est Ryu, le sociologue. Ryu qui a tellement bien dit ça dans son petit livre sur les Québécois. Il dit qu'il y a deux façons de regarder l'identité, par un retour intérieur et par opposition à l'autre. Alors, c'est toujours ça, c'est le double mécanisme qui nous permet de construire notre identité, ce que l'on est. C'est vrai pour les individus et c'est vrai pour les groupes humains. Alors là, je vous amène sur une question très développée en ce moment. Une idée qui circule beaucoup au Québec et que vous accréditez, avec laquelle vous semblez plutôt d'accord, c'est cette idée que finalement, les Québécois, on aurait tous un peu du sang amérindien, que nous serions plus ou moins... Nous serions un peuple très métissé, beaucoup plus que ce qu'on croit. Moi, j'ai lu, et c'est pour ça que j'ai hâte de vous entendre, c'est que ce que j'ai lu des démographes historiens, notamment l'équipe de l'Université de Montréal, Hubert Charbonneau, qui ont étudié les contrats de mariage, je sais que c'est une source qui, peut-être, on peut la critiquer, mais aussi les groupes de recherche de Chicoutimi sur l'étude du génome, la constitution des génomes, nous disent qu'il y a certainement eu beaucoup de métissage culturel, c'est absolument indéniable, mais le métissage biologique, pour ce qui est des Québécois francophones de la vallée du Saint-Laurent, je ne parle pas des pays d'en haut et du centre du continent, mais pour ce qui est de la vallée du Saint-Laurent, il y en aurait eu finalement assez peu. Alors vous semblez contester cette idée. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, sur le fait que nous serions finalement une nation métissée, y compris au plan biologique, beaucoup plus qu'on le croit. Écoutez, la question du génome collectif québécois m'intéresse beaucoup.
Oui. J'ai écrit un autre ouvrage là-dessus qui s'appelle « Le Québec transgénique ». J'essaie de voir. En fait, il est ici sur. Oui. C'est un livre de quelle année? Oh, ça fait une douzaine d'années quand même. D'accord. Une douzaine d'années, oui. Parce que mon domaine, c'est l'anthropologie médicale et que je me suis beaucoup intéressé à cette question. Dans les Autochtones, l'appareil facile du Québec, j'ai une section que j'ai intitulée Sauvagesse et fille du roi, nos mères. Sauvagesse et fille du roi, nos mères. J'avais raison de dire que les démographes se sont beaucoup intéressés, particulièrement avec le programme de démographie historique, de rendre accessible l'ensemble des informations sur les baptistères, bon, les mariages, les funérailles, les morts, etc. Tout ça, donc Hubert Charbonneau, M. Légaré, et bien d'autres y ont travaillé. J'ai beaucoup discuté avec généalogistes, démographes, généticiens. C'est impossible de savoir quelle proportion donc, de gènes amérindiens sont passés chez les colons français et également quelles proportions sont passées chez les colons, chez les décolons, donc aux Amérindiens. Ce que nous savons d'une manière certaine, c'est que dans la partie centrale, donc la vallée du Saint-Laurent, il y a eu beaucoup moins d'échanges. Il y avait des groupes résidentiels qui étaient là, les sept feux là, qu'on appelait, qui étaient extrêmement proches. Il y a eu quelques échanges, mais assez peu. J'ai quand même consacré quelques pages à l'expression, à l'idée que c'est les sauvages qui amènent les enfants. Et non pas. Et là, il faut s'interroger là-dessus. Je propose d'ailleurs un sens à cela. Mais aux limites de l'espace habité, nous savons qu'il y a eu du métissage de façon importante, donc la nation métisse va en surgir. Que se passe-t-il alors dans les registres? Est-ce qu'il y a eu simplement, et en discutant avec M. Charbonneau, mon collègue Hubert, que j'avais rencontré d'ailleurs à La Rochelle un jour, dans un site de généalogie pour les familles qui étaient parties de la Charente. Il y a eu gommage ou pas? Non, je ne crois pas qu'il y a eu gommage. Certains vont dire les enfants nés d'union mixte entre des mères autochtones et les colons sont davantage restés dans les populations amérindiennes, ce qui est un fait. Que certains soient passés de l'autre côté, qu'ils aient reçu des noms et aient été élevés non pas à l'indienne, mais élevés de la manière française, c'est aussi un fait. On ne pourra jamais donc déterminer la proportion qu'il y a eu, mais il faut s'intéresser à ce phénomène. Il est fondamental. Il est fondamental parce que il va nous amener, en niant que quelque chose est produit, il va conduire au refoulement de notre rapport à l'Amérindien, donc à l'Autochtone. Et nous vivons dans un espace où il y a eux et nous, et sans contact. Alors, quelle que soit l'ampleur, l'amplitude donc, des échanges géniques, entre les deux groupes, il n'en reste pas moins qu'il y en a eu et que ça agit comme manière symbolique, comme il y a eu donc des emprunts, des échanges sur le plan culturel, etc. Et qu'il ne faudrait pas donc que nous effacions la présence de l'autre en nous, passer dans notre groupe,
tout comme l'autre ne doit pas effacer le fait qu'il y a eu donc une présence de l'autre côté. Mm-hmm. Et comme je disais, ce n'est pas détruire. Ce qu'il faut, c'est ajouter, mm-hmm. c'est rendre plus complexes les choses. Alors, de ce point de vue-là, je n'essaie pas de quantifier. J'avais essayé de le faire dans le Québec transgénique. Je le fais moins ici, mais je reste convaincu que jusqu'à 1663, au temps des compagnies de traite, beaucoup voyageaient et qu'il y a eu. D'ailleurs, actuellement, tous les travaux qui se font sur l'origine génétique des pathologies. Vous avez évoqué Balzac et le groupe donc, à Chicoutimi. Et c'est très, très intéressant parce que de cet échange, on lutte contre un phénomène qui est très, très important. C'est que lorsqu'il y a... lorsqu'on épouse toujours le même, il y a un danger de dérive génétique oui. et d'amener donc des pathologies. Mm-hmm. Si on épouse l'autre, d'ailleurs, au contraire, on enrichit le génome, mm-hmm. on ouvre le génome. Mm-hmm. Et dans ce livre, je veux ouvrir le génome. Oui, tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, à l'époque peut-être d'un groupe, ou dans son histoire, mais aussi à cette époque-là, on craignait, on ne voulait pas être associé entre guillemets, au sauvage. C'est un peu d'ailleurs le titre d'un article de Denis Delage. Oui. Tout sauf être un sauvage et tout ça. Prendre nos distances. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans l'exact inverse. On souhaite, et c'est souhaité, et moi, je vous soumets l'hypothèse, mais ça, ce serait une autre discussion, que c'est notre rapport à la France qui fait problème maintenant. Aussi. Je pense qu'on a pris énormément nos distances de la France, en tout cas chez nos élites, et alors qu'on veut, on est beaucoup plus ouvert à cette idée qu'on serait issu de cette espèce de mixité. Dernière question, et là, elle est difficile, elle est un peu polémique, uh-huh. et j'ai envie de dire, c'est pour un peu le plaisir, et, parce que je crois sincèrement que ceux qui vont nous suivre, qui nous auront suivis pendant cette heure, vont peut-être brûler de vous poser cette question-là, puisque c'est vraiment dans l'air ces années-ci. Vous écrivez donc la part effacée du Québec. Or, on a des élus, notamment à Montréal, on est au Festival d'Histoire de Montréal. On a une mairesse, on a des élus à Montréal qui répètent, presque un peu comme une incantation avant chacun de leurs discours, nous sommes ici, sur un territoire non cédé. Au départ, on disait Mohawk, mais là maintenant, on se montre un peu plus prudent. On va dire un territoire autochtone non cédé. On ne va pas spécifier la nation qui est concernée. Où logez-vous là-dessus? D'abord, que pensez-vous de cette formule qui est répétée? Est-ce que vous trouvez que c'est sain, que c'est une bonne chose? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord avec le fond que nous serions ici, à Montréal, Festival d'Histoire de Montréal, sur un territoire non cédé? Et j'aurai une sous-question après, tout dépendant de votre réponse. Et je sais que je vous donne... On a une dizaine de minutes là, mais je vous écoute. Je sais que c'est une question difficile, mais quand même. Je l'élargirai, l'île oui. de Montréal. Oui. C'est parce qu'on est dans le Festival d'Histoire de Montréal, c'est pour ça. Oui, que je... c'est bien ça. Est-ce que les Autochtones ont cédé le territoire? De façon... Ben, prenons le cas de Montréal. En 1535, lorsque Cartier y arrive, il est sûr d'abord que nous avons un village mm-hmm. qui est là, qui est très clair. Selon les anthropologues, au pied hein, du Mont-Royal. Après, au là pied où du Mont-Royal, et là, les archéologues, Dawson, qui a fait des travaux, le situe sur le terrain actuel de McGill. Ouais. Cette thèse a été reprise dans un film récent. Oui, tout à fait, Hochelaga. Hochelaga, exactement. Ce que nous savons, c'est qu'il y en avait. Oui. Ils étaient là. Qui étaient-ils? On dit les Iroquois. Lorsque Champlain viendra, il n'en trouve pas. Non. Il n'en trouve pas. Par contre, c'était des peuples qui avaient des territoires de chasse, qui faisaient du nomadisme, et qui venaient pour des camps d'été. Ça dépend de quelle saison vous venez. Exactement comme Québec, d'ailleurs.
Québec, là où vient Champlain, c'est un camp d'été Innu. Et il va demander la permission pour descendre et on va lui dire « Descends, Képak ». Sylvie Vincent a recueilli toute la tradition orale du côté Innu qui raconte cela. Alors ici, nous avons la même chose. C'était à cause même du fait qu'il y a les rapides, de ce côté-ci, c'était toute la partie, la limite de la partie navigable. D'ailleurs, ce qui intéresse d'ailleurs Cartier quand il est sur le Mont-Royal, c'est de savoir si c'est vraiment la route vers l'Orient. Ça qu'il veut savoir, et on voit le champ. Donc, il y en avait. Continuellement, jusqu'à l'arrivée des piétistes à Montréal, les appeler donc les tout le groupe de la Dauversière qui vient et qui envoie autour de Maisonneuve et tout, veulent leur projet. Il est très clair, si j'invite les gens à les visiter, puisque c'est le musée des Hospitalières à l'Hôtel Dieu de Montréal, qui raconte très 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 bien les tout débuts de cette aventure fondamentalement religieuse à Ville-Marie. Et au cœur de cela, c'est véritablement de convertir les populations autochtones qui viennent dans l'île de Montréal. Et durant tout le temps qui va suivre, donc il y a, je n'ai jamais vu qu'on ait cédé quoi que ce soit, et il y avait des populations qu'on ne peut pas, je ne suis pas personnellement en mesure de pouvoir les identifier, et je crois que les archéologues ne peuvent pas les identifier. Par exemple, Normand Clermont, qui a beaucoup travaillé du côté de Beauharnois et tout autour, ont remonté à les époques, mais toute cette période, à partir du 17e, il y a plusieurs groupes qui y viennent. Dans leur ouvrage sur la Grande Paix de Montréal, Roland Villot et Gilles Avard vont nous dire que des grands chefs y viennent, certains sont locaux. Certains que ce n'est pas Mohawk. Ben, pourquoi ce n'est pas Mohawk? Mohawk, c'est un affluent de la rivière Hudson, la rivière Mohawk. Ce sont des Agniens qui vivent là. Donc c'est au sud, c'est dans l'État de New York actuel. Et un groupe va venir, Kateri Tekakwitha. J'ai fait quelques pages sur Kateri Tekakwitha, d'ailleurs, pour bien m'opposer, comme j'en ai fait sur les jésuites, les saints martyrs canadiens, qui n'ont rien de martyr, de mon point de vue, etc. Parce qu'ils appartiennent à autre chose. Les Mohawks venaient pour des excursions. Par contre, les Agniens, Mohawks, vont venir au 18e. Vont venir s'établir. Mais après la fondation de Ville-Marie. Après la fondation, en 1642, lorsque le groupe arrive, non. Donc, oui, territoire non cédé, mais nous pourrions dire ça pour Québec, nous pourrions dire ça pour partout à travers le Québec. Nous n'avons pas signé de traité. Mais là, et c'est ce qui fait, justement, ce tissage devient beaucoup plus possible, je crois, entre les nations autochtones et ce que sont devenus donc les descendants des colons de la Nouvelle-France, complexifiés par l'arrivée massive au 19e siècle d'autres populations et toute la période, les 100 ans du régime britannique. Alors, vous voyez, moi, je suis je pense, 12e génération. Mon ancêtre Isaac Bédard est arrivé en 1660. Je suis à peu près la 12e génération. Donc, si moi, je considère, et moi et les miens et ceux qui sont plus jeunes, nous disons dans tous nos discours publics que nous sommes sur des territoires non cédés, nous qui sommes les héritiers d'une histoire que nous n'avons pas choisie, nous sommes, imaginons qu'on veuille aller un peu plus loin, parce qu'on est, on est dans l'ère de la réconciliation, de la bonne entente. Alors, quelle serait l'étape suivante? Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, nous sommes sur un territoire non cédé, très bien, mais vous qui voulez justement restaurer la part autochtone dans notre histoire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je sais que vous n'êtes pas un prophète, vous n'êtes pas un militant, vous êtes un chercheur, mais comme citoyen, je vous pose quand même la question, quelle serait l'étape suivante? Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi?
Est-ce qu'on doit demander, négocier la cession? Est-ce qu'on doit écrire une charte? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour passer à un thème suivant? Parce que j'ai l'impression, moi, que cette formule incantatoire peut irriter, peut déranger, peut créer un malaise parce qu'elle est trop symbolique, parce qu'elle est, elle fait état d'une sorte... C'est peut-être parce qu'on se donne une bonne conscience, mais si on veut sortir du symbolique et vraiment dire... Ben, et peut-être qu'il était non cédé, mais maintenant, il nous appartient aussi, ainsi qu'à vous. Comment procéder? Comment vous verriez ça, vous? Monsieur Bédard, vous voulez m'amener sur le terrain politique. Pour conclure seulement, vous avez vu qu'on a parlé de vos thèses pendant une heure, mais uniquement, je serais curieux de vous entendre, mais vraiment par curiosité. Écoutez, quelle serait l'étape la prochaine étape selon vous? Il faut arrêter le parcage des petits territoires délimités. Pensons au Haut-Saint-Maurice, aux Atikameks. Ramener à Manouane, à Obidjouane, et cet endroit où j'ai plus travaillé, à Wemontachi. Le droit de la coupe de bois, la construction des manuels scolaires, comment les enseignantes ont essayé de réintroduire dans la formation des enfants, des récits oraux qui leur donnent la fierté de ce qu'ils sont, pour qu'ils apprennent à pouvoir vivre sur la frontière de deux mondes. Quand ils sont à Latuk, à Trois-Rivières et ailleurs, qu'ils se sentent chez eux, mais qu'ils se sentent aussi chez eux, dans leur propre identité, lorsqu'ils sont à Wemontachi, donc appartenir à ces deux espaces. Donc, il y a cette, et sur le plan fédéral, puisque la loi est fédérale, cette loi sur les Indiens qui n'a plus aucun sens aujourd'hui, où ils ont été ramenés donc, à la notion de pupille de l'État, ça va impliquer quoi? C'est à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et à tous ses membres que la question, quand le livre est paru, je l'ai envoyé tout de suite, bien sûr, à M. Ghislain Picard, pour qu'il l'ait. Est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il vous a répondu? On a réagi, oui. Ouais. Oui. Et je lui donne la parole aussi à la fin. Je crois que la question est très bonne posée. Il y a des changements. Maintenant, est-ce que ça va se faire en discutant de nation à nation, comme ça a été le cas avec M. Landry et la paix des braves pour tout ce qui touche. C'était les premiers traités que nous avons faits avec l'abbé James, il n'y en avait pas, parce que nous avons copié le modèle britannique à ce moment-là. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que cela. Par contre, je crois que les formules incantatoires, c'est vous qui avez utilisé ce mot qui dit au début de chaque rencontre, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire, oh, s'il vous plaît, non, ou de changer le nom d'une rue à Amherst, très bien qu'on le débaptise et puis qu'on ait un nom autochtone, c'est très bien. Ça nous coûte rien. Par exemple, revaloriser les toponymes. Oui. Les toponymes, ce que Joséphine Bacon dit lorsqu'elle parle du Nutchimit, donc tout le pays de l'intérieur et nous et tout, que les noms de rivières reviennent, c'est tous ces éléments-là qui doivent être changés. Mais le premier que j'ai donné, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique. Le Haut-Saint-Maurice, c'est riche en beaucoup de choses là-bas. Il faudrait penser la même chose pour tout ce qui touche chacune des nations, quelque sorte. Donc, il n'y a pas un programme politique, je dirais, d'inscrit dans le livre, mais on peut en tirer un. C'est une vision, un changement. Tout comme je dis que pour l'histoire, c'est un mouvement qu'il faut. Nous sommes dans un âge post-colonial. Il faut justement penser cela et être capable de faire entendre toutes les voix
qui ont participé à l'histoire d'une société. Et ça, ça me paraît absolument essentiel. En tout cas, certainement, M. Bibeau, que votre livre contribue à donner une voix et une existence aux Autochtones dans ce moment premier du 17e siècle. Alors, Monsieur Gilles Bibeau, donc, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes anthropologue. Vous avez fait une carrière à l'Université de Montréal et vous publiez donc, c'est tout récent, c'est tout chaud, Les Autochtones, la part effacée du Québec, donc c'est publié chez Mémoire d'Encrier. On vous invite à vous procurer et à lire ce livre qui participe justement d'un courant de rapprochement et d'éveil, de conscientisation sur l'importance qu'ont eu les Autochtones dans notre histoire, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire des Amériques. Donc, merci beaucoup, M. Bibeau, d'avoir accepté notre invitation et bonne suite parce qu'il y aura d'autres volumes qui s'en viennent. Oui, ça s'en vient. Et merci beaucoup à vous, merci. M. Bédard. Au revoir.